Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Et donc, on va commencer ce nouvel opus tout de suite. Lecture du disque dur, allez, allez. Donc, ouais, j'ai jamais joué à celui-ci, à part juste pour tester vite fait le un config. Mais j'ai jamais lancé vraiment ce jeu, j'ai jamais vu vraiment regarder ce que c'était. Juste une petite continuité de l'autre, j'imagine. La sécurité est trop duc. Mais le vieux. Est-ce que Raoul Menendez est venu ici? Sergent Woods, Raoul Menendez est le leader de Cordis Dié et le terroriste le plus redouté depuis Oussama Ben Laden. On perd notre temps ici. C'est plus qu'un légume. Doucement! Il a juste dit Mi hermana. Ça veut dire ma sœur en espagnol. Tu veux souffrir avec moi? Vous avez intérêt à vous préparer. Il va attaquer. Si vous avez des informations sur une menace d'ordre national, vous devez nous le dire. Allume l'appareil. Ton vieux père, il s'en sortait pas mal en Alaska. Mais Hudson s'est pointé. Papa! J'ai peur! Viens m'aider! T'as 7 ans, David, alors arrête de faire le bébé! Déteste. David, attends. T'as qu'à retourner à l'armée. Comme quand maman est morte. Lieutenant-colonel Nord, NSC. Vous connaissez déjà Jason Hudson. Qu'est-ce que vous faites là? Le sergent Woods et son équipe étaient chargés de démanteler un trafic d'armes en Angola. Ce matin, nous avons perdu le contact. Bon bah dans ce cas, allez le chercher. Qu'est-ce que vous voulez? L'Angola est aux mains de Castro et de la Russie. On ne peut rien faire. La CIA a enterré la mission. Woods et son escouade n'existent plus. Vous aurez tout ce que vous voulez, Mason. Tout. Jenny s'occupera de David. Comme avant. Elle l'aime beaucoup. Tout ira bien. Papa, t'as dit que tu retournerais jamais dans l'armée. Tu m'as promis. David, c'est l'oncle Woods. Il le ferait pour moi. Ok, l'oncle Woods. L'oncle Woods, l'oncle Woods. Bon. Petite reprise de travail alors. Alors, briefing. Hop, hop, hop. Personnaliser l'équipement. Ou bien commencer le niveau avec un. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un Fal, on a une AK. Oui, le Fal, c'est très bien. On a COG. Secteur de tir. Ok, on peut mettre les deux ensemble. 1911, hop, rien. Grenade frag flash. Ok. Et un kit d'accès qui permet d'accéder à des zones de la carte accès au 3. Ok. Bon, on va prendre le truc de base de toute façon. Alors, lancer le niveau. Ah, oh, putain, j'ai appuyé sur carré. Lancer le niveau. Voilà, c'est mieux. Ils ont trouvé où j'étais retenu grâce à un satellite espion. Un de ces KH-09. Cet engin, il crache une cartouche avec le film à 20 km de nous. Ensuite, un C-130 passe. Et il l'attrape au vol à 30 000 pieds. C'était pas l'ère numérique. Après, le film devait être traité.
analysée et livrée à la main. Notre joueur sur le terrain, c'était un type appelé Jonas Savinby. Tu crois que je suis cinglé, ce type? Ok, Jonas, enfin, je sais pas si on veut, c'est lui qu'on va jouer ou c'est un autre, je sais pas trop. Non, ce sera nous, je pense. Non, j'ai besoin d'un coup de main. Tiens bon. Mason. Savinby, faut l'aider. Certaines vies ne peuvent pas être sauvées. Il faut partir avant de subir le même sort. Les mortiers veulent dire que le MPLA s'apprête à attaquer. S'ils veulent la guerre, alors ils vont la voir. En avant. Mason, tu me reçois? Je t'écoute, Hudson. J'ai repéré des forces du MPLA qui se dirigent vers vous. 1 kilomètre au nord. On sait, Savinby va lancer une contre-attaque. Il a des couilles, pas de doute là-dessus. Pour Wood, est-ce qu'on a pu confirmer sa position? Ok. Donc le MP est là. Je sais pas trop qui c'est. Les mortiers ne tirent plus. Ok, là. Il a un putain de lance-grenade. Ok, les machettes, vous les gardez, hein? Moi j'aime pas ça les machettes. Merci. Donc faut juste que je suive ça. Allez. Allez, allez, crevez. J'aime bien le Fal, c'est une putain de bonne arme ça, je trouve. Par contre, ouais, les machettes c'est pas cool ça, par contre. Je suis pas du tout court. Allez, dégagez, dégagez, dégagez. Aïe, salope, pris. Ok, prendre mon voisin. Ah, accéder là-bas. Hop, hop, je traverse, désolé. Tac, 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 tac. Carré. Allez, hop, ouvre-moi ça. Ok, alors les mortiers, c'est ceux qui sont là-bas. Trop, peut-être non. Bon, ça va, jusqu'à. Je me rappelle d'un jeu qui avait cette mécanique là. Moi je suis peut-être bien un Call of. Ok, c'est bon. On est bon. Ah, raté. Désolé pour la grenade. C'est bon. Ouais, par contre, les chars c'est un peu moyen là. Je commence le mitraillage. Ok. Ok, je fais le mitraillage. C'est quoi qui tire en fait? C'est quoi comme avion? Ah, c'est un avion, hein? Ah non, c'est un hélico. D'accord. Yeah, j'aime bien quand c'est scripté là. Merde. Dégagez. Aïe. Putain, j'en peux pas réviser sur vite. En fait, j'en ai autant que je veux, ça. Ah non, je l'ai plus. Oh, tu repasses pas à la rocher, toi. Voilà, c'est bon. On va se recacher. Vite. Ok, tu tiens rien. Allez. Ah bah y'en a plus d'un coup là. Il y en a beaucoup plus. Allez. On voit qu'il y a besoin de viser pile dessus. Voilà, ça c'est bon. État de service mis à jour. Ok. Ok. Ah merde, ça c'est con.
Allez, allez. Juste le début. Oula, attends. Ils sont faibles. Te calme. Massacre là. Bon, juste le massacre. Hein. Hop. Je peux pas mourir à ce moment-là parce que la mitrailleuse me tire vachement dessus quand même. Hop, d'accord. La victoire sera bientôt entre nos mains. Mort au MPLA. Il m'a même pas dit ce que c'est le MPLA. Vous avez perdu un fond de retardo. Ça vit. Mon ami volant. Tu as fait beaucoup d'ennemis aujourd'hui. Oui. Comme nous tous. Où est Woods? Mentela n'est pas encore vaincu. Ce sauvetage est vraiment très risqué, mes amis. Où il est? Il est retenu prisonnier par un trafiquant d'armes nicaraguayen. Un homme très dangereux. Où? À 3 km au nord. À bord d'une barge de transport. Sur le fleuve Kumango. Il est peut-être déjà mort. En route, Elson. Ok, on va aller voir cette petite barge alors. Tranquillou. Un beau petit massacre en tout cas qu'on a fait là, parce que là, voilà, le MPLA, il a pris cher là. J'ai disparu au Vietnam. Mais ton père, il croyait que j'étais mort. Tous ces trucs que Kravchenko lui avait fait. Les nombres, plus Reznov qui occupait son esprit. Il savait plus ce qu'était réel, comment il aurait pu. Kravchenko. J'ai rendu service à tout le monde. En le butant, cet enfoiré. Il se relève en premier, et boum. Bienvenue au Wilton Danoï. 6 mois plus tard, ils m'ont transféré à Danang. Bordel, le Wilton. C'était le paradis à côté. J'ai perdu 17 coéquipiers. En 72, il n'y avait plus que moi. Moi, j'allais pas crever dans un putain de marais. Ok, ouais, le putain de marais, tranquille. Alors, petite sauvegarde. Regardez ce que ça donne le prochain niveau. On arrive près du convoi. Ok, bon, déjà ça va être le convoi, ça va être... Ouais, voilà, sécuriser la barge. Donc la barge qu'on a parlé tout à l'heure. Mais bon, on verra ça la prochaine fois. Merci à vous de regarder cette vidéo, et on se dit à la prochaine. Bye bye.